Bitakola. Vous pouvez écouter Bitakola sur YouTube, c'est ça? Il a ces petits sketchs-là sur YouTube. Vous tapez seulement bitakola.com. Tout le monde sur .com. Il n'y a que Masayako, je ne sais pas si ça. Ma part, c'est une place ici. YouTube, Facebook, là. Je suis sur ça, c'est moi aussi pour être. C'est bien ici, ça va? Vous êtes à l'aise? La clim? Tu as froid? C'est pas ton gars? C'est qui alors? Vous êtes seulement croisé ici? Tu cherches un gars? Tu me dis? Pas de sonner là? C'est quoi? C'est pas un gars? Là, les deux, hein? C'est que les femmes maintenant, voilà que les deux. Ouais. La rumeur que si vous achetez un carton de Power Malt, un carton, on va vous remettre un sac. Si vous achetez un carton de Power Malt, là-bas, on va vous remettre un sac comme cadeau. Mais si vous achetez deux packs de six, vous choisissez un parapluie, un t-shirt ou bien un pack scolaire. De l'autre côté, Power Malt. Mon frère, quand l'enfant pleure chez nous, en con, il connaît la latte. Mais quand l'enfant pleure chez vous, on dit, tu veux quoi? Tu veux manger? Il dit, non, je ne veux pas manger, je veux voir la télé. La télé, hein? Le père te latte, ferme ta bouche. Tu vas appeler les vampires chez moi à minuit. C'est que maudit enfant ici. Allez, allez. On t'amène dans la chambre, on te pompe même des lions d'or, tu dors. Mais quand c'est chez eux, l'enfant pleure, on dit, tu veux quoi? Tu veux le yaourt? Tu veux quoi? Et maman, je veux dodo. Dodo de quoi? Ah! Quand tu vois mon dos, tu sens que mon vieux n'était pas doucement, hein? Je chicote. Ben, Aiden, tu la fermes, là? Il va aller dire, mais papa, le monsieur, il est méchant. Il m'a grondé. Alors que chez nous, on continue, tu la fermes, je ne ferme pas. Hey! Bon, allez, maintenant on recevoir. Ouais, pardon, on va recevoir. Excusez-moi, ça peut arriver, hein. On va recevoir le bulldozer. Le mont Maningouba. Le président, le chef du village de Niamton. Le chef du village de Niamton. Le gars qui pèse 450 tonnes. Un gars fashion ninja, un genre. Il n'est pas l'ami de n'importe qui. Il ne cherche pas n'importe quel genre de fille. C'est un gars bien. Oh! Mesdames et messieurs, Capré Nazi! Oh! Capré Nazi! Capré Nazi! Aïe, 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 ce sont les choses comme ça. Quand tu me parles, j'écris. Tout ce qui vole s'appelle. Allez, abaiser. Allez, ce monde gombele, didi sole. Clitoqué. Le gars, c'est les millions. Toi, tu prends le galet. Tu as mes gars de 100 francs, mais c'est toi qui veux critiquer. Tu parles même de Kiki. Tu dis que c'était petit. Allez, toi, je suis bloqué là-bas. Non! Mituma! Ça, c'est mon oncle, papa. Venez un peu. Oh Dieu. Venez, s'il vous plaît, rapidement. Je vous manquais de respect, espèce de mignon, papa. Venez d'abord. Non! Oh putain! Venez, s'il vous plaît, rapidement. Moi, je suis en France. Je viens, tu veux me. Oh mon Dieu, regardez, malgré la fleur de l'âge, le papa garde tout le cap de la beauté, de la fraîcheur. Non! Ça va? Quand les gens cravent dans le bureau, restez là-bas.
Papa Mitumba, c'est le général des forces armées de l'UMO Cameroun. Voilà un être conçu dans les normes standards de la fécondation après accord parental sous la présence des dieux spirituels du cinéma. Quand vous regardez Papa Mitumba, vous sentez que c'est sa maman qui avait demandé la permission à son papa avant qu'on l'accouche. C'est pour ça qu'il est beau comme ça. Non, Papa Mitumba, on sent que quand Dieu était arrivé sur toi, il a pris le temps de te tuner, te fabriquer, te concocter. Moule de fabrication du charisme. L'homme, c'est sa chaussure, sa montre, son parfum. Voilà la vérité. Ça dit que le gars a arraché la sapologie, l'élégance congolais, les a abandonnés à Volandjang sans confirmer le teint naturel. Non, Papa Mitumba, si Dieu pouvait retirer même 10 ans sur l'âge de Longue Longue, 11 ans sur l'âge de Nyamgono, 10 ans sur l'âge de Oh my God, Papa, vous allez encore écrire là demain. Vous, c'est qui? S'il vous plaît, venez. Que Dieu vous donne la longévité de Paul Biya, la jeunesse de Cabral Libi, le temps de Josué, la sagesse de Kamto. Vous avez compris, Papa? Tu as vu comment il se comportait? Non, j'ai rien à dire. Il a un sourire lâche comme un format A. L'agent va me tuer. Wama! Non! Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. À cause de l'alerte. Non, maman, vous partez où? C'est quoi? Papa, mais tu m'as fait comme dans les films nigériens. Tu tournes le cinéma, tu es mieux placé pour voir. Wama! Wama! Ouais, ma Sayakov, tu as vu ce que j'ai créé? Non, il y a d'abord 10 000 ici, 10 000 là, c'est. Oh, le loyer, le salaire de ma Sayakov, allez à gogo. Madame, s'il vous plaît, vous, venez. Rapidement, tapez les mains pour la forme, la beauté, venez. Oh my God. My God. Rapidement, madame. On sent que vous ne vivez pas de l'ignomton. C'est pas le lolé de mon mot. On ne fait pas le crédit dans le piment. L'argent va me tuer. C'est même pas pour l'argent. Attendez, patientez, j'arrive. Maman, on vous appelle comment? Amy Danibal. Emilène. Ta beauté, c'est une âme de destruction massive qui peut créer un coup d'état sentimental ou un braquage de cœur à tout moment. Espèce de belle femme charismatique munie d'une belle poitrine sans vertu, tu gagnes des détails en voie de disparition. Ta beauté est rare comme les larmes du chien. I just want to tell you something true. You are beautiful. Chez nous, les bangantons, ils ont un ballon que le haut n'est pas quand tu as fortuné. Traduction. Les racines de la patate n'avaient pas utilisé la force pour dominer le roi des herbes. C'était doucement. Maman, tu n'as pas voulu être belle. Ce que tu étais arrivé sur toi, il a pris le temps de te tuner. Les rumeurs racontent que tu as porté le fétiche du bon comportement. Quand la malchance vient vers toi, ça saute, ça passe sur les filles de Nyamton. Bon, nous, bon, dit. Oh, l'argent! Bien. Pendant qu'elle se fouille, je te prends. Chez nous, les bangantons disent que. La viande est plus chère quand c'est sans housse. Les vrais hommes comme Papa Mitumba adorent les femmes potelées comme toi parce que la surface de caresse est large. Ça va partir, c'est fini. Ça va partir. Je blaguais. Non! Non, bébé. Tu as vu le comprimé des nerfs. Prends le sourire, tu souris. On compte que l'énervement est prévu. Les enfants, vous partez où? Ça va donner rapidement, vous partez. De 2000, si les enfants ont donné 2000, c'est que les mamans peuvent avoir combien? Bon, je ne pourrais finir cette magnifique soirée sans rendre hommage à quelqu'un qui m'a fait faire le bac 4 fois. Arafa Yorobo. Regardez ma coiffure, confirmez même vous-même le style. Ça veut dire que la maman a passé l'année, a dit Cabrel, apprends, revise tes leçons. J'ai dansé moi que les roucascas le jour de l'examen. On a mis l'épreuve devant moi. Quand je voulais faire rapper, mais moi, ça faisait que Pongo. Rapper, mais moi, Pangaka. À chaque fois qu'on part composer, on a toujours une petite prière à faire. Quand il dit Seigneur, donne-moi la force, donne-moi un verset biblique. Le premier verset biblique qui atterrit dans ma tête, c'est que mon voisin, c'est ton berger, tu ne manquerais de rien.
Ça veut dire que j'arrive dans la salle. Il y a les gens qui disent souvent que déception amoureuse, ça fait mal. Tu as voulu cricher chez un gars. Le jour de l'examen, tu t'assois derrière lui, on change sa place. On peut me mettre devant un petit frère. Lui là, c'est un sorcier. J'ai envie de cricher, le petit me tape les gars. J'ai dit à l'heure, si soit je meurs, soit je résiste. J'ai arraché la feuille. Le suivant m'a récupéré. D'après les articles qui régissent les examens au Cameroun, toi, on va te donner 3 ans. Allons voir le chargé de mission. Il était 2 surveillants. Vous savez que chez nous, les Bamilekés, quand on parle nous composer les examens, on nous donne tous les herbes. Hein, mets ça dans la poche. On te donne le pic, on crache dessus. Que ne salue personne en route. Quand on m'a amené sur le chargé de mission pour me donner 3 ans, une fois dit au suivant que monsieur, voit les herbes au sol. Comme j'aurais 3 ans, faites le choix entre l'épilepsie, le sida et le... Comme moi-même j'ai 3 ans, vous aurez aussi 3. Le chargé, le premier suivant a dit non, je voulais seulement te mettre dans les conditions pour que tu réussisses ton examen. Alléluia. Va en classe et tu vas réussir. Je suis allé en classe, j'ai échoué. Mais le jour qu'on lisait quand même les résultats, moi-même j'étais là. Hein? Famille, oh. En fonction du cri d'une personne, vous pouvez savoir combien de fois il a composé un examen, vrai ou faux. Quand on lit le nom de quelqu'un, Jean-Pierre, qui crie, oh yes! C'était sa première fois qu'il compose le bac comme ça. Quand on lit le nom d'une personne, Massa, docteur, qui crie, allô maman, enfin tonton, j'ai eu mon examen. J'ai eu. C'était 2 fois que le gars compose le bac comme ça. Remarquez bien. Il y a amené une catégorie, 3e personne. Le gars n'est pas sûr qu'il a réussi. Quand on lit son nom, Ngamga Koto, P. Junior, le gars dit, yeah, c'est mon nom. Le gars paye, il revient. C'est vraiment mon nom. Il commence à courir. Il y a 4e catégorie. Catégorie des gars, quand on lit le nom, c'est le désordre. Yes, oh, hyper. J'ai eu, c'est le désordre. 5e catégorie. C'est la catégorie des gens comme Massacop. Si on a fait le bac même 6 fois, quand on lit son nom, c'est seulement le signe de croix. Que se tourne, c'est seulement comme ça. Famille, oh, je suis gros comme le porc, non? J'ai les pieds, ma bongo, non? J'ai aussi un petit zizi, non? Ça se voit? Je ne suis pas seul, même Clinton, je n'ai rien. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui a un petit truc. Le truc d'un homme s'élève en fonction de la fille que tu as devant toi. Au fur et à mesure qu'une fille mange ton argent, elle ne te donne pas le haut là. C'est comme ça que ça s'énerve. Le jour là, tu deviens très tranchant, vrai ou faux. Petit, tu n'as pas l'âge pour me faroter, désolé. Donne-moi un peu ce que tu as. Mets dans la poche alors. Petit. Il dit qu'il travaille en cololo. Même ton habillement m'a dit la vérité depuis. J'espère que tu ne récupères pas ses mains. Il voulait être. Ah. Ouais. Bon, Big Massacop, venez s'il vous plaît. Ça ne va pas. Je vais te donner l'argent, tu te comportes comment comme ça? Sois humble quand tu n'as rien grand. Sois humble alors. Je suis le meilleur humoriste, je ne suis pas le meilleur humoriste. Tu, meuf, quand c'est toi? Ah bon? Je suis beau, je ne suis pas beau. Tu es le plus beau du monde. Voilà. Commençons par 1000 francs. Je suis chaud, je ne suis pas chaud. Je suis... Tu es moche. Prends ton micro. Malade. Il est moche. Il n'est pas beau, il n'est pas laid, il est affreux. Je suis beau. Donne le CFA au Camerounais, il bavarde. Quelqu'un vient de 10 000 alors que tu touches 10 000 chaque jour. Faut prendre l'argent. Si quelqu'un veut de l'argent ici, c'est dollars, euros, pas, tout se passe à chaque jour. 10 000. Lorsque tu appelles Mindumba, il fait combien de danser, couper des calés. Grand, je te respectais. Quand hein? C'est mon tour, tu m'as tendu 10 000 comme ça. À son tour, tu t'es levé. Le respect est mutuel. Hein? On doit se respecter mutuellement. C'est pour ça que j'ai mis ton argent par ici derrière. Et remets pas. 10 000, tu me fais souffrir. Voilà les gens qui me respectent. Oh, mets-toi ici. Tu vas voir la différence entre l'enfer et le paradis. Malade, regarde. Merde.
Aiden, tu peux reculer, papa veut, le tonton veut travailler son avenir. Petit frère Kruder. Oh, Goodman, regarde l'argent. Docteur Lema Kuma. Tu veux pas un enfant? Fais le bruit comme Ntumba. Ntumba a chanté de couper les calais. Tu as vu, non? Fais le bruit dans zéro. Si tu donnes comme ça, c'est que tu veux même nous voir avec Ntumba. Ajoute un billet pour lui déborder. Un billet. Allez, ça, Ntumba, c'est qui? Donne l'argent. Comment? Le respect est mutuel, hein? Me dit que tu fais aucun de Mintouma, c'est que c'est pas ton égal. Hein? C'est un monsieur qui est assis là. Faut arrêter votre sabotage là. Que Mintouma, c'est qui passe tout le monde de 40. C'est un grand. Tu es un grand. Vous n'avez rien. C'est un dollar, c'est 350 francs. C'est Fava avec. Faut le camp. On me donne 50 euros. Tu es mis de 1 dollar. Tu peux faire que c'est 10 dollars. Aiden. Tu prends ça, tu vas t'amuser à la terrasse. Va jouer à la terrasse. Va jouer, va jouer. Va jouer avec les 1 dollar. J'ai gardé les 0. La magie. Oh, Cabernet. Il faut pas m'attaquer là où je ne veux pas. C'est pas bien. T'as pas ton argent, tu parles. Il dit que c'est eux qui font le pointage ici, c'est la magie. C'est quoi, vous faites? Aiden, tu as jeté les pieds là? Mais l'enfant, c'est ce qui vient comme ça d'empêcher la lumière à la maison deux semaines. Hé hé, c'est où? Tu as mis ça où? Ah non, tata, faut pas blaguer. C'est un enfant qui ne connaît pas ce qu'il fait. Attention, attention. Attention. Attention, attention. Attention, attention. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu devais plutôt aller prendre et tu viens avec. Faut pas blaguer comme ça, mon petit. Même 1 dollar, on va mettre dans les porte-monnaie pour se vanter avec. C'était bon? Aiden, va t'asseoir, va t'asseoir. T'asseoir? C'est toujours les biais, ce que tu poursuis. Petit frère, je suis sage. Même si ta main blague, c'est maintenant, c'est le caterpillar qui va prendre ça à moi. Tu me connais pas. Parce qu'à l'heure, s'ils ont mis sur Facebook, on m'a donné 50 euros. Hein. Ils vont même aller dire là-bas que c'est 5000 euros. Ça. La fille, ça a vu 50 euros, elle a commencé à dire, hé, hey, bé, tu es mignon, hé. Qui est mignon? Hé, hey, bé, 50 euros. Vraiment. Si vous voulez faire les photos avec Mr. Léo, après ça, vous allez voir, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'entrée là. Il sera disponible 1 heure de temps après le spectacle pour les photos. C'est le chorégraphie, non, mon frère? Oh, faut donner aux femmes. Pas tout ce qui est don, tu es première comme ça. Quand c'est le don, tu es première. Tu n'as pas. Faut respecter. Vous faites l'échographie, madame. C'est important, hein? Même les hommes font l'échographie, mais les hommes doivent acheter. Il faut faire l'échographie à la clinique, le suivi. C'est 25 000 que tu vois comme ça. Donc ça, tu te vantes avec. Merci, merci. Merci, Mr. Léo. Sois pas abonné, Mr. Léo. On se connaît pas. Vous prêtez, on se connaît pas.